Elle a déjà démarré ses activités. La délégation consulaire régionale du plateau central s'engage à faire prospérer l'activité économique dans cette partie du Burkina. Amadou Sawadogo et son équipe peuvent compter sur l'accompagnement de l'ensemble des opérateurs économiques. C'est ce que nous rapportent Yacouba Gamene et Vincent Kendrebego. La délégation consulaire régionale du plateau central entre en activité. Devant des officiels du gouvernement et des figures du monde des affaires, Amadou Sawadogo, président de cette délégation consulaire, prend officiellement fonction. Priorité pour le nouveau président et son équipe, mobiliser le fort potentiel de ressources dont dispose le plateau central pour faire rayonner l'économie de la région. Nous voulons, ensemble avec tout le monde, construire la région du plateau central qui comprend la province de Ganzougou, la province du Oubritianga et la province du Kourouérou. Nous avons le plaisir et la joie d'installer un homme comme Amadou Sawadogo, qui est un homme qui s'est construit lui-même, qui a une grande expérience parce qu'il a entrepris. La cérémonie, parrainée par le ministre des Affaires étrangères représenté, a été présidée par le ministre des Infrastructures, qui représentait son collègue du commerce et de l'industrie. C'est en créant les conditions d'éclosion, de développement, de renforcement des activités du secteur privé que notre pays va connaître une croissance soutenue et durable. Nous avons voulu donc transmettre ce message. Autre défi pour Amadou Sawadogo et son équipe, c'est l'érection d'un nouveau siège de la délégation régionale consulaire. La mairie de Zignaré a déjà pourvu un terrain d'un hectare. En attendant, c'est dans ce local qu'officie la nouvelle équipe dirigeante.